À la production d'une taille incommensurable, on ne l'arrête plus. Et oui, et il retourne vous streamer du shmup. Je vous avais dit qu'on retournerait dans les époques glorieuses où la boulette se cherchait encore. Et aujourd'hui, on va se faire un petit tour dans. Si je retrouve ma fenêtre. Chouink, chouink. Non. Peut-être. Ah, Fireball. Barrel. Alors, Irem, c'est pas des inconnus, c'est ceux qui nous ont gratifié de Airtape. Et là, ils nous proposent un petit jeu de shoot bien sympatoche, relativement inspiré des voisins, on va dire quand même, soyons honnêtes, mais qui, au demeurant, reste très fréquentable. Je me rappelle plus du tout de ce jeu, pour être honnête, donc j'y retourne tel le novice. Et je découvre avec vous son gameplay à nouveau, 25 ans après 1993. Let's go! Oh là là, mais si on vit. Alors, je réitère mon message, s'il y a des gens qui savent comment je peux ralentir une nomination dans l'âme, je suis tout à fait preneur. Parce que, oui, c'est légendaire, ah mais c'est pas que je suis pas bon, c'est que le jeu tombe trop vite. Reste valable. J'ai quand même des tirs qui sont à une vitesse peu recommandable pour un jeu supposé être accessible, surtout pour son premier niveau. Bon là on reste quand même dans le bon vieux classique hein, à la Redline et compagnie. Non, c'est dommage de s'être jeté là-dessous. Oh non, on n'est pas dans le vieux classique puisque cette mot qui signifie la pénétration d'un corps conjugué dans un autre corps. Il ne remet pas les bonus ce blaireau quand je me fais démonter. Donc le truc spongieux, je pense que je vais les mettre à lui parce qu'il m'a contrarié sur ce là. Bon bah putain. Et même pas de bonus. Super, je suis joie, je suis. Je suis crispation. Et oui, parce qu'en fait, vous venez de remarquer avec moi. Alors regardez bien la vitesse du vaisseau là. Vaisseau. Je peux tomber lui. Il se trouve que le vaisseau va pas mal moins vite que les tigres. Peut s'avérer très rapidement gênant. Bonjour, meurs, s'il te plaît. Bonus. Bonus. On n'aime pas trop par chez nous. Ceci dit, le jeu est chouette hein, quand même. Et il est très lisible, il y a une jolie boule. Oh la famille, quelques boulettes qui s'annulent et celles qui s'annulent pas. Mais juste cette histoire contrariante de tiens, je te fais redémarrer avec un pistolet à bouchon quand tu te fais allumer. Qui est quand même ouais, un peu vachard parce que là je suis au premier niveau et honnêtement je me fais déjà pas mal allumer. J'imagine les dégâts que ça va représenter quand ce sera sur les deux derniers niveaux de la ROM et que ça va balayer de boulettes de partout et qu'à chaque fois que vous vous ferez toucher, vous allez redémarrer en faisant. Est-ce qu'il doit y avoir un sacré coup moral? Et du coup, vous développerez des super skills, je ne doute pas. Mais en fait, vous aurez développé des super skills bien avant, et vous aurez one crédité le jeu, bien entendu. Comme je suis en train de ne pas vous faire voir. One crédité, ça sert à rien. J'ai une crédit limité avec la production. Moi. En plus, je suis en train de streamer en direct des Bahamas. D'où avec mon RSA je peux vivre comme un nanti, avoir plusieurs voitures de luxe. Donc voilà. Mais je pense bouger vers les îles Caïmans très bientôt. J'ai une offre de partenariat avec la BNP. Salut la BNP! Ça va, notre argent est bien là-bas?
Cool? Ouais. Je règle mes comptes au passage. Ça me défoule, ça me motive pour être méchant. Parce qu'en fait, voilà pourquoi j'y arrivais pas dans ce jeu. Je n'étais pas assez méchant, je n'étais pas assez motivé par la haine, la rage de l'ennemi, de l'inconnu. Et cette xénophobie latente que tout le monde se doit d'avoir. Enfin, pas moi, mais bon, des fois je me force un peu, j'y arrive. Enfin, je simule. Piu-piu-piu-piu-piu. D'ailleurs, pour montrer à quel point je suis xénophobe, on va dire que je me bats contre l'invasion des Français. Et en français, ça peut être pas mal. Comment ça s'appelle de la traîtrise? On peut voir ça comme ça, oui. Ceci dit, quand on voit que certains états arrivent à faire passer des énormes merdes, s'avérer être un traître envers elle est un devoir, je vous le rappelle. Ok, elles sont bien ces émissions streamées, on fait de la politique en même temps qu'on fait du shoot, vous croyez-vous? Je vais me spécialiser comme le monsieur respectable qui nous a quitté il y a pas très longtemps d'ailleurs, utiliser les émissions de géopolitique sur Arte avec talent, parce que moi qui déteste ça, même moi il a réussi à m'intéresser. Et je pense que je vais faire des streams dédiés spéciaux à sa mémoire. Parce que ce mec il était super fort quand même. Vous vous rappelez tous de vos cours d'histoire géo où vous guettiez la place près du radiateur. Et ça n'est que sur le tard que vous vous êtes rendu compte que le prof d'histoire géo n'y pouvait rien si les programmes étaient une chiantitude si pathétique. Et c'est vrai que ce gars-là sur Arte avec son émission de géopolitique a quand même redonné de noblesse à tout ce domaine-là. Oui, je continue, j'ai plein de sous. Non, mais faut pas le faire mourir tout de suite. Facile, ça me dévoile. Dès qu'on réapparaît, on est invincible. 0,5 secondes. Si une boulette arrive à 0,6, vous êtes mort, les amis. Il veut pas crever, madame. Madame. Voilà. Du coup, je sais même plus. Je sais même plus quel truc je voulais dire. Ah, les buildings, certains font-ils obstacles comme d'habitude. C'est le premier truc qu'il faut apprendre à détecter. Parce que oui, la visibilité dans les chemins quand même, c'est vital. Si on veut que le jeu, même avec une grosse difficulté d'enfoiré, soit tout à fait fréquentable, il faut bien prendre garde à lui conserver une bonne visibilité. Parce que le joueur va arriver et se vautrer la gueule sur le moindre relief qu'il y aura. Alors qu'il n'est pas forcément mauvais, c'est juste qu'il n'avait pas pigé que tiens ça, je vais me le prendre dans la tête, ça dépasse du fond. Et ben j'ai passé tous mes crédits, on va voir jusqu'où ça mène, mais je pense qu'on va se faire deuxième boss et ça ira pas beaucoup plus loin. Hein. Enfin, je vais pas être très mais est-ce que je suis plutôt réaliste dans ce cadre-là. Oh non, pas le pistolet bouchon. Je suis tristesse. Je suis chagrin et... Petite pointe chafouine aussi. Non, pas de bonus sur... Pas envie. Ok, piu 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 piu, peur de rien. Non, mais niveau vitesse là, si tu masques clair, le scroll, ça va pas faire du tout. Il reste bon, c'est pas une bonne chose, mais c'est pas grave. Peur de rien, peur de rien. Regardez-moi cet enchaînement. Le train de la mort. Donne-moi ce putain de bon uniforme. Celui-là aussi. Très bien celui-là. Mamma mia! Ah, je souffre un peu. Y'a pas un bonus max qui va se déclencher dans deux secondes? Ça serait une super agréable surprise. Et je n'y verrai aucune objection. Oh, y a. Et il a le droit de rouler ce train, ça veut dire t'as kiffé? Ah ouais, non mais je bombe maintenant madame, je bombe! Eh oui! Il a combien de crédits là? Non, non, non.
Ah, la vitesse des tirs, c'est un problème. Hein. C'est un gros problème. Donc je réitère la requête. Si vous avez une astuce pour ralentir la vitesse d'émulation dans l'âme, je suis tout à fait preneur. Ça doit exister, mais je ne connais pas et je sais pas comment ça s'appelle ce genre de truc. Ah, est-ce qu'on est seul? Salut, j'apparais. Ah, t'es mort. Ok. Et sinon, je peux. Non, non, tu ne joues pas. Tu observes. C'est un jeu d'observation. Ok. Cabale. Et sur le problème, c'est que je passe toutes les bombes comme ça c'est fait, au moins je sais qu'après j'ai plus du sport à faire. J'aurais pas dû mettre 200 crédits dans ce bande. Donc le boss, si on le démonte pas, on le passe. Ok, je note. Rétro is rétro. Et c'est pour ça qu'on y aime. Vas-y, t'es bien sympa. Ah! Tu prends le bonus, tu te fais démonter. Bon, allez, fais-moi un beau game over. Pour enchaîner sur un autre jeu. Non, toujours pas, ok. Mais parce qu'on a le crédit, ça fait. Le bonus, c'est dans ton... Eh oui, la grosse misère. Piu-piu-piu-piu-piu. Je vais te casser ta gueule. Tu vas voir. Tu ne m'y reprendras plus. Tu sens comme je te menace? Tu sens? Tu es impressionné? Oh là là! Vous déconnez pas les gars? Je fais tellement pitié qu'il a pas fait décoller les appareils sur le côté. Ouais, mais il a plus gros max. Ah, on fait moins de malin quand je suis armé là, les gars. Et un tir plus tard, ils se retrouvent assis d'une boulette, tragiquement. Et perdu. L'intégralité de ces bonus. Est-ce que je vous ai parlé du prétexte d'être malade pour pas être bon dans les streams? Oui, vous êtes sûr? Je peux plus en user de cette excuse. Certain. Parce qu'elle marche bien, hein. Bon, je suis arrivé à la fin des crédits là. Non. Je crois que j'ai mis la carte bleue dans la machine. Bon, bon, une fois que t'as fini cette phase, tu m'envoies un fax. Et on passe à celle où il faut que je sois même entre tes boulettes nombreuses et exagérément rapide. Donc ça fait comme ça. Là, je suis arrivé à me prendre un truc dans la gueule quand même. Bravo, bravo, bravo. T'as plus qu'à trouver du boulot. Bon là c'est un peu normal. Bonjour. Hop. Ma vie, ce sont des choses qui arrivent. C'est pas très gentil ça. Ouais non mais non. Non 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 non. Quelle lâcheté. Bah non, je tirerai pas du tout. Ah mais peut-être quand même. Parce que moi encore plus de bombes là du coup. Et il me donna aucun bonus en récompense pour ce perfect fail. Oh, il est arrivé au jeu. Donc ne sera pas dans les must have, mais n'est pas dénué d'intérêt. Puisque regardez. Que c'est quand même la vitesse d'émulation qui joue un petit poil en ma défaveur, mais pas que, et tant foutu pour me faire paniquer un petit moment. Hein. Ah, plus de bombes, je crois. Et non, je suis
suis certain que j'ai plus de bombes. C'est ce qu'on appelle ce moment le drame. Et soudain, le drame. Une expression qui a été copyrightée par FR3, je le rappelle. J'ai fini mes crédits? Oui. Oh, eh ben dites donc, ça aurait été le quart d'heure le plus long de ma vie. Non, j'exagère. Mais des fois, il faut souffrir quand même pour faire voir aux gens des choses. Et des choses intéressantes. Wally Walou, on aura fait une petite visite en surface de ce formidable jeu. Que là, je ne suis pas premier. Malgré tout l'argent que j'ai dépensé. Il faut vraiment que je me mouche. Assistante mouchoir, vite! Ça n'est pas très pro, mais je vous garantis que c'est vraiment nécessaire. Bon, la chance, c'est de ne pas avoir chopé la grippe, ni une gastro. Eh oui, on ne peut pas tout avoir. Fire Barrel, très recommandable à ajouter dans votre collection si vous avez un petit peu la collectionnite. Si vous êtes un peu short, vous pouvez vous permettre de faire l'impasse sur ce jeu-là. Mais il est relativement bien foutu, intéressant à explorer, et puis il vous procure l'amusement qu'on était venu chercher. Tout simplement. Reste que c'est un clone de Raiden et compagnie, hein, donc ne vous attendez pas à la meilleure originalité. Mais il est super cool. Des bisous, on se retrouve pour un prochain stream qui ne parlera pas d'origami.